tina yesu mwete ya sobilai amakila na ye nyongo ya masumu esila kinyoso likolo nango panagolo gutane kulufu owi likolo nango panagolo gutane kulufu oye maali mokoti wano kante C'est pourquoi nous espérons, c'est pourquoi nous espérons.
seulement toi qui t'aimes tant, et pourquoi nous espérons toi. Oh, qui est cet homme que je suis? Alléluia! Qui est cet homme que je suis? Oh, qui est cet homme que je suis? Alléluia! Qui est cet homme que je suis? Qui est cet homme que je suis? Alléluia! Qui est cet homme que je suis? Oh, la question, qui est cet homme que je suis? Alléluia! Qui est cet homme que je suis? Oh, Jésus-Christ, il m'a choisi le feu. Alléluia! Qui est cet homme que je suis? Oh, Jésus-Christ, il guérit les malades. Alléluia! Qui est cet homme que je suis? Jésus-Christ, il ouvre notre lance. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Oh, Jésus-Christ, il fait voir les ancêtres. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Oh, mon âme, puis mon cœur, t'as pas la main. Oh, mon âme, oh, il est en Jésus. Oh, mon âme, puis mon cœur, t'as pas la main. Oh, mon âme, oh, il est en Jésus. Si ton loyer se passe, tout ça va couper. Alléluia. Oh, Galiwa de Jésus. Oh, ça si ton loyer se passe, tout ça va bénir. Alléluia. Oh, Galiwa de Jésus. Oh, ça si ton loyer se passe, tout ça va bénir. Alléluia. Oh, Galiwa de Jésus. Oh, comme moi, je suis ton maman. Oh, il est là, oh, il est là, oh, il est là.
Oui, Jésus est là. Ya solo Yesu azaliawa. C'est lui le véritable conducteur. Yende mokambi ya solo. C'est lui notre absolu. Yende longo na biso. C'est lui notre assurance. Yende etingia na biso. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Libanda na ye bomoi ezalite. Amen. Amen. C'est lui qui mérite de louange et de gloire. C'est lui qui mérite l'élévation. Amen. Amen. Ok. Nous allons nous tenir debout. Et prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 6. En commençant par le verset 5 et 6e verset. Apocalypse 6, 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Wana asfongolaki elembo ya misato. Nayokaki ezali na bomoi ya misato koloba. Viens. Yaka. J'ai regardé et voici paru un cheval noir. Ndena balusaki miso na tala. Ndena moni mpunda moka moyindo ebimi. C'est lui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. Oyo azalaki kokumba mpunda yango asimbaki epimelo na loboko na ye. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Ndena yokaki na katikati na bizali na mine ya bomoi mongongo moko koloba. Une mesure de blé pour un denier. Kilo moko ya loso pona un dollar. Et trois mesures d'orge pour de un denier. Pe kilo misatu ya masango pona un dollar. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Kasi kosala mabe na mafuta pe na vignote. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire la parole de Dieu et nous avons besoin de ta présence pour nous conduire. Bénis tes enfants qui sont venus et ramène aussi ceux qui sont encore en route. Nous abandonnons tous entre tes mains. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tous les liens du diable, libérez cet endroit, allez dans les lieux arides au nom de Jésus, et que l'onction du Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de nouveau. Vous pouvez vous asseoir. Et nous appelons directement Mbuya Kalubi Eden. Mwana na biso ya mwasi Mbuya Kalubi Eden Timba Abraham Mwana oyo Timba Abraham et Nzuzi Afrensi pe Nzuzi Afrensi Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Yeah.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions pour tes enfants qui sont là. Nous les abandonnons entre tes mains, Seigneur. Ouvre-les sous ton lieu de gloire. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Nous vivons un temps très difficile où le diable est en train d'embrouiller les enfants de Dieu. Laisse que ces enfants se puissent grandir dans la crainte de la parole de Dieu. Que toute distraction du monde, tout embrouillement soit éloigné de leur tête au nom de Jésus. Ouvre-les, Seigneur, sous ta protection. Donne leur bonne santé, longue vie. Tout esprit de maladie, tout esprit de tourment soit éloigné de au nom de Jésus. Accorde-les l'intelligence et la sagesse et protège-les contre tous les plaintes d'attaque du diable. Et ça soit même les influences de famille, et cela soit sans effet ni sur chacun d'eux. Protège-les contre tous les plaintes d'attaque du diable. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Que ces enfants soient en paix, qu'ils soient sous ta conduite, qu'ils soient sous ta protection, et que cela soit pour ta gloire. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, maintenant nous allons parler du troisième saut. Sigawa tokolo bela likolo na elembo ya misato. Amen. Amen. Dans le premier saut, nous avons vu que les cavaliers qui montaient ce cheval, ce cheval était la couleur blanche. Tomonagi na elembo liboso était momati mpunda wana oya mpunda motane na elembo liboso azalaki momati ya mpunda ya pembe. Ok. Et dans le deuxième saut, nous avons vu que le cheval était de la couleur roux. Na elembo mibale te komona ete mpunda ezalaki ya langi ya motane. Dans le premier saut, l'être vivant était le lion. Na elembo liboso ezali na bomoi oyo lobaki ezalaki nkosi. Et le prophète de cet âge-là était Paul. Pe mosakoli ya eleko wana ezalaki Saint Paul. Et dans le cheval roux, bongo na tango tokomi na na mpunda oyo ya motane, l'être vivant était le veau. Ezali na bomoi ezalaki ngombe. Un symbole de sacrifice. Etali seli na bopesi mbeka. Et le prophète de cet âge-là était Irénée. Pe mosakoli elekwana ezalaki Irénée. Maintenant dans le troisième saut. Dans le troisième saut. Sigo na elembo oya mibale. Le cheval était de la couleur noire. Momati mpunda azkomi na langue ya mwindu. Et l'être vivant était l'homme. Pe ezali na bomoi oye monani ezali moto. Et le conducteur ou le prophète de cet âge-là était Martin. Pe mokambi to mosakole le koana ezalaki Martin. Pas Martin Luther, mais Martin. Ezalaki Martin Luther te. Ezalaki Martin. Amen. C'est comme ça qu'il conduisait ces âges-là. Ezabongone nzambe ezalaki kokambabi le koana. Et chacun traversait sa situation. Pe elekona eleko ezalaki koleka likambo nango. Nous avons vu que le cheval roux, vraiment c'est une période où les enfants de Dieu ont été vraiment massacrés. Même le cheval de la couleur noire, c'est vraiment le tourment, la mort. La couleur noire, c'est l'ombre de la mort. C'est un temps où les chrétiens ont été tués un grand nombre. Amen. Amen. Et si nous pouvons lire quelque chose au paragraphe 252. Quand il ouvrit, un tonnerre retentit quand il ouvrit les seaux. Et l'agneau a pris les livres. Pe tango kake yuli pate azibuku.
Dans ce troisième saut, na elembo oya misato, le troisième être vivant a la forme d'un homme. Ezali ya misato bomoi azalo lenge ya moto. Cela montre le degré de l'évolution de l'intelligence de l'homme. Etali sur le lenge nini mayele na moto ezali ko fuluka. Pour découvrir et mettre ni toute la malice de l'ennemi. Mayele na moto fuluki pwete azala makoki ya kotali sa mayele nyoso mabe ya munguna. Antichrist. Et le troisième saut est une longue période. Il va du quatrième âge de l'Église dont tu attires jusqu'au cinquième âge de Sardes. Soit de l'an 606 à 1520. Et badi ou te leko 606 kino 1520. Plus de 10 siècles de souffrance. Et leko oyo ezui penenaba mbula koto ya pasi. C'est l'âge de Thyatire. C'est un âge d'inquisition. Boyebi balamu ete leko la Thyatire etalisi elembo etango oyo ya batiaki bikateli. L'âge des ténèbres. Etalisaki elembo ya elekwa molili. Un âge sombre. Etalisaki elekomoko ya molili tu. Et sans espoir. Pe elikia esilaki. Donc on voit le cheval est noir. Kuna tomoni mpunda abimi ya langi ya mwindo. C'est la période de réforme. Etalisaki eleko ya bobongisi makambo. L'esprit de Dieu avec l'intelligence agissait ensemble. Molimo na Nzambe na mayele la moto ekomaki kosala elongo. Amen. Amen. Donc pour le troisième saut, c'est toujours l'antichrist qui changeait de couleur de cheval. Ce n'était pas une autre personne. Et quand il fut couronné, il a pris le pouvoir de faire toutes choses. Il a commencé à faire des choses impossibles. Oui, sur le cheval blanc, c'est toujours l'antichrist qui montait là. Sur le cheval roux, c'est toujours l'antichrist. Même dans le troisième saut, avec le cheval noir, c'est toujours la même personne qui changeait de forme. Ce n'était pas Christ, mais c'est l'antichrist. Et l'antichrist, c'est celui qui est contre la parole de Dieu. C'est une personne qui peut prendre la parole et la bouleverser, la changer, transformer. C'est quelque chose qui a commencé depuis là. Yeah, ça a commencé dans la simplicité. Il faisait de petites choses. Mais depuis l'an 325, où il fut couronné, c'est là il a pris l'autorité full de faire n'importe quoi, d'agir à quiconque n'accepte pas leur dogme. Amen. Amen. Si on vous attrape, soyez-en sûr, vous mourrez. C'est une période d'exécution. Une période de destruction. Et les gens mouraient en grand nombre. Il n'y avait pas pitié de personne. Qui que vous soyez, si vous ne voulez pas adhérer dans leur dogme, on vous prend, on vous amen. 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 On vous prend, on vous exécute. Oui, il n'avait pitié de personne. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons maintenant le paragraphe 281. Oui. Troisième saut. Troisième saut. C'est alors qu'il a reçu une grande puissance. Il a été établi vicaire du ciel. Et il est adoré comme Dieu. Il est le chef de la terre. L'union de l'Église et de l'État a fait de lui le chef de la terre. L'Église et de l'État a fait de lui le chef de la terre.
oyo mokonzi ya mabele. Lui a donné cette couronne là. Et pesie motole oyo. Il peut faire sortir des âmes du purgatoire. Akomi sikola makoki ya kobimisa bato bazane pongelo. Par des prières. Il peut aussi intercéder. Il était exactement comme Dieu sur la terre. Mais quel était cet homme-là? C'est l'Antichrist. L'homme de l'église primitive. Amen. À la place de Dieu. Tout cela lui confère une grande puissance pour tuer quiconque refuse d'accepter ses ordres. Qui va oser de contredire? L'église ne peut rien dire. Il en est le chef. L'État ne peut rien dire. Il en est le chef. Alors ils sont morts par millions de gens. Toutes ces petites églises, frères, elles ont été sauvagement détruites. On les a tués. On les a assassinés. On les a jetés en pâturage au lion. Et tout le reste. Voyez, le dragon, Dalagona, Rome, Roma, lui a donné son trône à son autorité. La Bible le dit. Voyez, Babylone la grande. Babylone mon aîné. C'est Rome. Et ça, Roma. Alors c'est son cheval roux. Bongo yé wala likolo ya mpunda motane. Qui est un type. Oye ça itali seli. Oui, il a foulé le sang des hommes. Aye a niati a pandi makila na bato. A tel point que ce cheval. Kino te mpunda na ye. Il est devenu rouge. Mpunda oye ça la ki a pembe. La tina la makila na bato e komi motane. Amen. Amen. La couleur roux. Langi oyo ya motane. Quoi, c'est un mélange de la couleur noire et de la couleur rouge. Ezali bosangisi ya langi ya motane pe langi ya pembe. C'est ça qui a donné la couleur roux. Yangone kopesa langi wana ya moyi. Un mélange de rouge noir. Bolisangisi moko basangisi motane na mwindo. C'était une période de sacrifice. Etalisaki elekomoko abobibi pesi meka. Oui. Io. Nous avons vu à cette époque là du pape. Qui a tué plus de 68 millions de chrétiens protestants. Saint Auguste de Hippone. Saint Auguste de Hippone. C'est la période où Martin Luther a protesté contre l'église catholique. Martin Luther a télémé l'église catholique. On pouvait vous exécuter d'une manière ou d'une autre. Après lui, il y a aussi un empereur romain du nom de Néron. Lui aussi a tué beaucoup de personnes. En commençant par sa propre mère. Qui a été lié par un cheval de bois. On l'a roulé presque dans des riz. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Néron. Un homme très sadique. Il finira même par aller quoi, brûler quoi, les habitations des chrétiens. Pour faire tomber la situation sur les têtes des chrétiens. Oh, ce sont les chrétiens qui ont brûlé la ville. Oh, c'était Néron. Et il finira même à mettre son taureau se battre avec les chrétiens. Et on a placé un frère là.
Et c'est taureau là qui puisse se battre. Et si l'homme gagnait le taureau, là on libère tous les chrétiens restés. Ah, mais si c'est le taureau qui gagne, on continue leur exécution. Amen. Et comme Dieu fait grâce à ses enfants, ils ont combattu contre le taureau. Et cet homme-là a tué le taureau. Et on a libéré d'autres chrétiens. D'autres même étaient livrés par des lions. Ils ont été bouffés vivants comme ça. Amen. C'était une période sombre. Une période sombre. Les gens ne pouvaient plus comprendre que faire. Ils ne savaient pas où aller. Ils étaient tués en grand nombre. Si on vous attrape avec la Bible, on vous dit amen. Écoutez maintenant, exposé de cet âge de l'église. Prenons maintenant l'âge de l'église de Thyatire. Page 216. Écoutez. Parce qu'ils se disent être des vrais chrétiens. Oui, ils ont pris la place de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il disait même que Pierre était leur pape, leur premier pape. Mais nous avons vu dans la Bible que Pierre n'a jamais baptisé les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre a fait la contradiction de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais pourquoi Pierre a pu faire la différence des choses? C'est par la révélation. C'est à travers le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus leur avait donné l'ordonnance d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, les pierres et les autres ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et là, ils sauront ce qu'ils doivent faire. Ils ont attendu dans la chambre haute. Et quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, Pierre pouvait comprendre que la personne qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre ne pouvait jamais baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et il a avancé dans le livre de Luc 24:47. Il comprendra que la repentance et le pardon des péchés doit être prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. En commençant par Jérusalem et descendre partout dans le monde entier. Maintenant, vous vous dites que Pierre est le premier pape. Mais vous voyez ce que Pierre avait fait. Mais pourquoi vous continuez à baptiser les gens aujourd'hui au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Et vous baptisez même les petits enfants qui ne connaissent absolument rien. La Bible dit que la personne qui doit se faire baptiser ou qui doit recevoir le baptême, c'est une personne qui a la connaissance de bien et du mal. C'est lui qui peut faire la différence des choses ou des esprits. Amen. Parce que le baptême, c'est un engagement que vous allez prendre vis-à-vis de votre Dieu. Amen. Et de l'autre côté, la Bible nous amène encore plus loin.
pour nous dire que pour être un pasteur, être un évêque, être un diacre, il faut être marié et d'une seule femme. Amen. Vous, vous ne connaissez pas les secrets du mariage. Quand on va vous appeler à aller résoudre un problème d'un foyer, vous n'avez aucune espérance. Vous n'avez même aucune expérience. Mais qu'est-ce que vous allez faire là? Amen. Amen. Il faut être marié. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'orphelins. On a construit des maisons par-ci par-là. Et ce sont les enfants de qui? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Un jour, nous, on a perdu un prêtre de l'autre côté là. Il était un peu supérieur de Sango. À sa mort là, il gérait quoi, la collectivité qui de Kimpemba là, Gungu, Azalaki jusque l'info qui sent. Azalaki vicaire, il y a un gambo wana kuna kota Kimpemba ou kuna na tise kuna nyos. Les jours de sa mort, on a trouvé plus de 25 enfants. Koka mwa bana babimi bazanga tata. Mais ces enfants là, 25 ba yewana. Mais où sont leurs mains? Batuni me bana nyo soyo babota mandengendini mama na bango baza wapi? Point d'interrogation. Kino lelo ba mama ba mona na. Et leur père? Boko tata na bango wapi? C'est la personne qui était morte. Balobi kasi muto bozo lela yende tata na bango. Ah! Ah! Maintenant écoutez ici. Sikobo yo kabala. Dans l'âge de Tiatir. Na ele et les conatiatis. Ce sont des choses que les prophètes avaient vues depuis là. Et ça m'a cabo mosakoli. Amonango utatangwana. À la page 216. L'exposé page 216. Il dit ceci. Alobi boye. Je connais tes dernières œuvres. Alobi nayebi misala na yo yasuka. Les œuvres de qui? Misala nani? De l'antichrist. Misala motebe la Christo. Qui dépasse les premiers? Misala na yo yasika eleki misala liboso. Comme nous l'avons déjà dit. Lokolo to lobaki ango liboso. Cet âge est appelé l'âge des ténèbres. Et le koyo to parce que c'est bien la période la plus sombre de l'histoire. C'était l'âge du pape Innocent III qui revendiquait le titre de vicaire du Christ. Souverain suprême de l'Église et du monde. Et qui institua l'inquisition sous son règne. Cette dernière versa plus de sang que toutes les autres époques. Pape Innocent III a bomaki batoko leka ata ile komoko te batoba kufa kibongo. C'était l'âge de la pronocratie. Et le konaye ezalaki eleko ya batobo lumbu. Du règne des courtisanes. Ezalaki eleko ba makangu. Serge III. Pape Serge III avait une maîtresse. Azalaki na likangu na yemoko. Et il remplit les chires papales. Pe ezali Serge III ne atondisaki bana na ba makangu na kati ya ndako ya papa. Un de ses maîtresses et de ses fils illégitimes. Atondisaki bana ba botamaki na ba makangu na ba makangu na kati ya ndako na mungu. Et fille du palais du pape. Une caverne de voleurs. Serge III n'est à commissaire du Vatican et qui me le yabami yibi. Anastase III. Anastase III, pape. Mourit étranglé par Marozia. Pape Anastase III a koufaki poba fina qui est kingo et pas le kangu na ye Marozia. La maîtresse de Serge. Azalaki le kangu na pape in Serge III. Jean 12, Jean 11. Pape Jean 11 était le fils du illégitime de Marozia. Pape Jean 11 azalaki mwana likango oya botamaki et pa ya mwaso makango Marozia. Jean 12. Pape Jean 12 était le petit-fils de Marozia. Azalaki koko ya Marozia. Et il violait les veuves et les vierges. Bongo mwana wana pape wana Pape Jean 12 azalaki kokamata bana bakufela mibali pe bana bakufela baboti pe basi bakufela mibali lokola basi na ina nko. Et il fut tué en plein acte d'adultère par un
un mari furieux. Pe bayaki ko boma ye likolo ya mwasi et pa ya kolo mwasi wazalaki na kanda na ye. C'était l'époque des schismes papal. Ezalaki eleko oyo babalaki ko sala makita na bapapa. Ou deux lignées de papes. Oyo wapi masanga mibale ya bapapa moko auti bo moko auti kotoyo. L'une à Avignon, moko autaki na France, et l'autre à Rome, moko autaki na Italie. Se maudissaient et se combattaient mutuellement. Bazalaki ko lakela mama be pe bazalaki ko bunda tango nyoso moko pe mosusu. Papes n'étaient pas seulement coupables d'actes sexuels immoraux. Papes, oh, bah quoi ils s'amènent quand ils parlent en bakamba, quand ils mettent en bas ça batute. Avoir d'innombrables enfants illégitimes. Bah tellement là qui bah on va garder pour basala qui la banne belle en bakango. C'est livré à la sodomie. Kasikoka moi basala qui peut kokamata na mi bali peut basi na basi. Mais ils se rendirent également coupables de vendre des fonctions sacerdoces au prix d'offrand. Kasiko kamwa bakomaki koteka misala ya losambo epa ya bato bafutaka mbongo mingi. Amen. Amen. Jamais la lumière na lui a offert faiblement que dans cet âge. Ezalaki le komo kote oyo pole ezima ki penze komi ko zima kolekane leko oyo. Et pourtant les quelques croyants de cet âge travaillaient avec d'autant plus de ferveur que les ténèbres se paisissaient. Tsoka bandimi elego oyo atako molili ekomaki ko beta makasi bazalaki kaka ko sala la piko mingi koleka. Si bien que vers la fin de l'âge, kokamo ete kuna la suka elego oyo, beaucoup se levèrent pour tenter des réformes. Bato mingi batelebaki pe bakomaki ko luka ndenge ni bakoko luka babongisa makambo. La ferveur de leur effort ouvrit les chemins pour la réforme à venir. Dempiko ya molenda mosala la bango e fongolaki bango nzela pona bobongisa makambo esengelaki ya sima. C'est pourquoi comme le dit la parole au sujet de cet âge. Ne bongo lokola lilobe lobi na o etali bilembo sambo. Des dernières œuvres. Et de misala la yasuka. Celle de la fin de l'âge. Bilewe misala ya eleko ya suka. Dépasse le premier. Eleki misala eleko liboso. Amen. Amen. Vous voyez? Bon money. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Qu'est-ce qui vous empêche? Tata. Parce que pour mieux servir Dieu, il faut être marié et d'une seule femme. La fois dernière, j'ai lu même ici, dans des journaux, que vers Idiofa, beaucoup de parents, beaucoup de pères ont élevé les enfants qui ne sont pas les leurs. Ah, ce sont les enfants des prêtres. Même chez nous là, à Mongafula là-bas, il y a une sœur qui son mariage est divorcé quand même. Sœur. Non, une femme là. Oui, parce qu'il avait des monastère. Je vous dis des choses, ce que je dis c'est la vérité. Oui. L'autre même fut engrossé par un prêtre là. Voyez, il s'était de notre côté là. C'est compliqué. Et ça somme. Mais ils se disent être des chrétiens. Des vrais serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que vous le tombeau blanchi qui vous a appris à fuir la colère à venir. Des hypocrites. Vous faites des choses contraires à la parole de Dieu. Et aujourd'hui que je vous parle, il se prépare pour le conseil ecuménique. C'est pourquoi frères et sœurs, préparez-vous dès maintenant. Le conseil ecuménique a déjà commencé. Et leur objectif, c'est de combattre les véritables chrétiens. Ah, vous qui êtes de vrais chrétiens. Des fois vous viendrez si on a bloqué déjà les portes. Ah, vous ne savez où aller. Et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit,
C'est là où peut-être vous allez renier Jésus-Christ. Oui. Parce que la fois dernière, même dans nos avenirs là, ils ont commencé à faire le recensement. Ah, toi, tu pries dans quelle église? Ah, on prend le numéro de votre quoi? Adresse, numéro, ok. Et après, de là où vous priez. Vous croyez que c'est en vain qu'ils ont fait ça? Ils vont venir. Amen. Amen. Et aujourd'hui même, ils ont signé le mariage homosexuel. Oui. Même l'église protestante a accepté cela. Oui. Même les États-Unis veulent que vraiment cette histoire-là inonde l'église. Oui, ils imposent déjà les gens. Ils enseignent cela même dans des écoles. Là où je viens au Canada, ils ont déjà commencé à enseigner cette histoire. La classe programme Mobimba. Vous voyez bien ça? Bon, vous voyez là où nous allons? Bon, le monde est arrivé à sa fin. Bon, préparez-vous en conséquence. Bientôt nous allons partir. Amen. Amen. Il y a plus de temps. Oui, le prophète dit que c'était vraiment l'âge des ténèbres où l'Antichrist a pris le pouvoir ecclésiastique et civil. Il dominait sur toutes choses. Il a pris l'autorité depuis la réunion qu'ils ont faite à l'an 325 au Concile de Nicée. C'est là où l'État et l'Église s'est unis. Il a pris la direction à la fois de l'Église et de l'État. Tout ce qui n'était pas d'accord avec lui était mis à mort. Voilà pourquoi le cheval noir, c'est l'âge des ténèbres, l'âge de persécution. Hein, on peut vous prendre comme ça, on vous met quelque part et on met du courant sur vous. Vous voyez un peu, quelle souffrance. Les lions vous bouffent comme ça, vous voyez comment on bouffe votre mère. Et vous vous regardez. Vous voyez comment on bouffe ton enfant. C'est une période terrible. Une période sombre. Ensuite, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix. Il a massacré des millions de personnes. Il ne voulait pas adhérer dans leur histoire, dans leur dogme. Mais malgré cela, Dieu s'est réservé un petit groupe qui ne pouvait pas lâcher prise, qui est resté là dans la promesse de Dieu. Et malgré la souffrance, il ne faisait que prier. Ils ont placé leur confiance en Dieu. C'est la période même qu'ils ont exécuté Pierre. Ah, ils ont dit, mais c'est lui qui les intoxique. Ah, on devait lui couper la tête. Non, ils ont changé l'eau. Pierre a dit non. Moi, je ne peux pas mourir de la même mort que mon Seigneur. Et on l'a renversé. Ah, et le Pierre en haut là-bas. C'est comme ça qu'ils ont exécuté Pierre. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Oui. Tous les esprits qui étaient depuis là, jusqu'aujourd'hui, sont là pour combattre les deux. Ils sont venus dans l'âge de l'Odyssée. C'est pourquoi si vous dites que vous êtes chrétien, prenez position pour la parole de Dieu. Ne soyez
pas hypocrite. Si vous êtes hypocrite, vous ne ferez absolument rien. Et vous n'avancerez pas. Vous n'évoluerez pas. Dieu veut des véritables chrétiens. Ils peuvent se tenir là et défendre la parole de Dieu. Amen. Les gens qui pouvaient accepter aller jusqu'à la mort pour Christ. Oui. Tous ces gens-là ne fuyaient pas la mort. Quand on les amenait là pour les mettre en sacrifice au bétail. Ils allaient, ils avançaient. D'autres même chantaient. Oh, quelle gloire! Ils chantaient des cantiques de méditation. Malgré qu'ils savaient qu'ils vont à la mort. Quelle foi qu'ils avaient! Ils étaient accrochés à Christ. C'est comme ça que nous devrions être ce matin. Amen. Amen. Ne soyons pas des chrétiens donc formalistes. Non. Non. Il faut devenir un véritable chrétien. Amen. Amen. Paragraphe 302. C'était une période où il faisait nuit noire. Les comprenez-vous? C'est une période sombre. Amen. Amen. Et le voilà qui fait payer cette sorte de vie. C'est-à-dire quoi? L'orge. L'orge est tout. L'osso. Naturel. Ce n'était pas spirituel. C'était de l'orge, voyez-vous. Donc du pain d'orge et du pain de blé. Il faisait payer cette sorte de vie. Il donnait à ce sujet. Il faisait payer les prières. Prêtre récité pour faire sortir les gens du purgatoire. Oh, basango basalai kotanga pour babimisa batone pongelo. Le purgatoire là. Purgatoire, vous qui êtes rempli de péchés. Yo, oh, sala masumu. Quand vous payez cet argent là. Sango yeba futeli yombo. Et que lui prie pour vous. Sango bondele pola yo. Vous quittez cet état là. Babimisio na lifelo. Quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Et loko boko la Bible zate. C'est ce qu'on appelle purgatoire. Yako ba benge pongelo. Même les messes de requiem. Oh, misa yaba wey. Oui. C'est au prix d'argent. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Même les prières de mort. Oui. Ils font ça. C'est au prix d'argent. Même des neuvaines. Oui, c'est ce qui se passe là. Et après, à la fin des comptes, ils ont instauré un système pour garder leurs fidèles. C'est cette histoire qu'on appelle les neuvaines ici. Amen. Amen. Ils peuvent faire des campagnes. Ils peuvent faire des concerts. Vous voyez comment ils dansent là. Avec des soutanes. Tout ça, c'est pour garder les fidèles. Ils peuvent même prier pour les malades. La Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui sont dans ce message du temps de la fin. Et ceux qui sont dans ces dogmes, la différence se trouve où? Ceux qui sont dans les messages, la vie de la parole est là. Mais de l'autre côté, la vie n'existe pas. Quelle est cette vie-là? L'onction du Saint-Esprit. C'est ça la vie qui prépare les enfants de Dieu pour le départ. Alléluia! Amen.
Oh, gloire à Jésus. Oh, kembo na Yesu. C'est ça. Donc ne soyez pas distraits. Nous sommes arrivés au moment où nous devions nous préparer en conséquence. Parce que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Jésus revient bientôt. Et jusqu'aujourd'hui, le monde continue à s'empirer dans les péchés, des maladies, même les soucis et la mort. Oui, pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à s'approprier suffisamment de foi. Pour saisir la chose. Amen. Amen. Pour être guéri de la maladie. Mais il faut avoir la foi pour quoi recevoir la révélation. Il faut avoir la foi pour croire à la parole de Dieu. Il faut avoir la foi. Mais comme ces gens-là n'ont pas la foi, ils peuvent regarder mais ils ne voient pas. Oui, ils peuvent écouter mais ils ne comprennent absolument rien. Amen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais nous qui sommes dans le message du temps de la fin, nous connaissons que Jésus-Christ est lui le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est lui qui était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ est dans le Nouveau. C'est lui le Dieu Créateur. Et c'est lui aussi qui est devenu Fils pour sauver l'humanité. Amen. C'est lui qui accomplissait toutes ces choses. Amen. Amen. Ce monde ici a été créé par lui et pour lui. Amen. 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 C'est par révélation. Amen. Et vous devez comprendre ces choses. Maintenant, comme le secret de tous ces ministères de Dieu devait s'accomplir, c'est pourquoi nous avons vu l'ange du ciel descendre, qui est Christ Jésus. C'est lui l'agneau qui a pris le livre et a rompu les eaux. Et sur la terre, il a préparé un ange terrestre qui devait recevoir la parole. Et en transmettre à nous qui sommes de cet ange. Et quel est cet ange-là? C'est le prophète. La parole de Dieu vient toujours à travers le prophète. Alléluia. Amen, amen. Quand l'ange céleste qui est Christ s'est préparé là, prendre le livre et descendre pour rompre le sang, il a déjà préparé un ange terrestre. Qui est le messager? Qui est le prophète? Et c'est lui qui devait prendre la parole et en transmettre à chacun de nous. Oh, quelle gloire! Oh, quel privilège! La Bible dit que Jean pouvait voir les livres, mais il ne pouvait pas comprendre le contexte de ces livres-là. Daniel pouvait voir les choses, mais il ne pouvait pas comprendre le contexte. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus le disait que c'est ce livre, c'est pour le temps de la fin. Ces choses, ces secrets, cette révélation était réservée pour nous au temps de la fin. C'est nous qui devions connaître ces choses. Même les petites choses qui étaient délaissées depuis l'âge de Fès, où ils avaient le conducteur Paul, jusqu'aujourd'hui où nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, qui a décortiqué toutes ces choses-là et il nous a révélé les secrets. C'est pourquoi il pouvait dire que dans cet âge-là ici, dans cet âge ici, il ne pouvait pas un réformateur. Non, lui devait prendre une portion de la parole. Mais il fallait un prophète. C'est pourquoi il nous a envoyé Malachie 4. Il devait
ramener la foi de paix aux enfants. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous pouvons voir la foi qui était en Pierre. La foi qui était en Paul. Paul est venu au temps du soir. Nous pouvons vivre le même miracle. Ils ont vécu à cette époque-là. L'ombre de Pierre qui touchait les malades comme ça. Les malades guérissaient. Et aujourd'hui, si je peux vous le dire, un malade qui se tiendra à 3 mètres de moi, il est complètement guéri. Le même Jésus qui a opéré à cette époque-là, c'est lui qui opère aujourd'hui. La même onction qui est descendue sur Pierre, qui est descendue sur Paul, qui est descendue sur Philippe, c'est la même onction qui est ici. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. 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 Et quand il a pris les livres, tango yesu buku, les gens se posent des questions. Mais ce livre là c'est quoi? Bah tu tout là comme tout le mais pasteur, on le bagaga livre, livre, livre. Et ça nini. Mais ce livre là c'est la Bible. Buku wana ezali Biblia. Les secrets qui étaient cachés dans la Bible. Secrets bon mama qui cache la Biblia. Qui n'étaient pas révélés. Oh le monde s'est quitté. Mais c'est l'agneau qui était capable de prendre ces secrets et d'en donner aux prophètes. C'est pourquoi quand on cherchait quelqu'un qui était digne, qui devait prendre le livre et en rompre le sang, même du haut du ciel, même ici sur la terre, il n'y avait personne, il n'y avait personne qui était digne. Oh mais l'agneau de Dieu était digne. Et Jean, quand il a regardé, il n'y avait personne qui était capable de prendre le livre et de rompre le sang. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a dit, oh, le monde est foutu. Oh, le monde est terminé. Oh, il n'y a personne qui est capable de rompre le sang. Et l'agneau qui est Jésus-Christ est sorti pour dire à Jean, Jean ne pleure pas. L'agneau est capable. L'agneau est capable de prendre le livre et d'en rompre le sang. Alléluia. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, ton Père dans Zambé. Et c'est lui qui donne la parole à tous les prophètes. Pourquoi? Il est le prophète des prophètes. Il est le prophète par excellence. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Alléluia. Amen. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Il a dit, ne pleure pas, Jean. L'agneau de Dieu est capable de prendre le livre et d'en rompre le sang. Mais quel est ce secret là qui était dans ce livre là? C'est le secret qui était caché, qui devait être dévoilé. Jésus-Christ est Dieu. C'est ce secret là. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mariage et le divorce. Alléluia. Amen. Vous connaissez les secrets. Amen. Amen. Parce que quand les gens sont entrés dans la confusion, de baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais à partir de la révélation, vous vous connaissez que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la personne qui est Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes, mais c'est plutôt une seule personne du nom de Jésus-Christ. Parce que Père n'est pas un nom propre. Saint-Esprit n'est pas un nom propre. Oui. Même Fils n'est pas un nom propre. Même nous qui sommes ici, chacun a son nom propre. Et le nom propre de notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'Alpha et l'Oméga. C'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Qui est Jésus-Christ dans le Nouveau? C'est lui Emmanuel qui devait venir. Emmanuel, oh,
Quelle gloire! Nous sommes en possession de toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi vous ne deviez pas être dans l'ignorance. Non. Ne soyez pas dans l'ignorance. Jésus nous a envoyé tous les secrets cachés. Et maintenant nous sommes en possession de toutes ces choses-là. Amen. Nous sommes en possession de toutes ces choses. Ouais. Nous sommes plus ignorants. Et il n'y a personne qui viendra nous tromper. Oh non. Jésus-Christ est fils. Oui, nous croyons qu'il est fils. Mais il est aussi père. Et c'est lui le Dieu créateur. Avant qu'Abraham soit, lui fit déjà. Mais où est-ce qu'il était? Il était Elohim. Elohim qui est allé visiter Abraham. Avant qu'Abraham, Sarah, puisse avoir un fils. Alléluia. Amen. Et Abraham même a payé sa dîme à cet homme-là. Et toi, tu viendrais me dire, oh non, Jésus-Christ est seulement le fils de Dieu. Tu ne connais rien. Amen. Amen. Tu ne connais rien. Laissez-nous t'enseigner. Amen. 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 Il dit ceci au paragraphe 298-299. Troisième saut. Sa balance ou sa balance à plateau. Dans la main. Voyez. Il crie une mesure de blé pour un denier. Et trois mesures d'orge pour un denier. Vous voyez. En fait, ce sont les blés et l'orge. Ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. Mais, Kasi, vous voyez, Bomoni, il faisait payer cela. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il faisait payer à ce sujet, cette sorte d'espérance de la vie. Qu'il leur offrait. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Il demandait de l'argent pour prier. Avant de venir faire une messe de requiem. Une messe de quoi, ces histoires-là, les cérémonies de mariage. Ils le font encore maintenant. Même les neven. Amen. Amen. En effet, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il s'apparaît des richesses du monde. La balance pesait une mesure de blé pour un denier. Trois mesures d'orge pour un denier. Les cavaliers sur le cheval noir. Vous voyez, Bomoni, il dépouillait ce sujet de leur argent. Alors que la Bible l'a prédit, qui détient à peu près toutes les richesses du monde. Oui, comme nous le disions hier soir, en parlant de la Russie et tout ça, ils prennent simplement tout l'argent et ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont. Et de tout. Alors voilà le troisième saut. Remarquez, voici les beaux côtés
de l'affaire. Ne faites point de mal à ce vin et à cette huile. Il n'en reste que tout petit peu. Mais ne n'y touche surtout pas. Amen. Amen. Que signifie le vin et l'huile? La Bible dit que l'huile c'est un type du Saint-Esprit. Et le vin c'est la stimulation. Ah, l'onction. Et pas colami. Amen. Amen. C'est ça, il ne pouvait pas toucher à cela. Parce que même ici où nous sommes, il n'y a personne qui peut détruire le Saint-Esprit. Jamais. Non. C'est pourquoi les gens qui meurent en Christ, malgré qu'ils sont dans la tombe, un jour, le Saint-Esprit là qui est là va les ramener sur la terre. Ici. Amen, amen. Et nous les verrons. Avant d'aller à l'enlèvement, ils viendront faire avec nous pendant 30 ou 40 jours. Et ensuite, nous allons quitter la terre pour l'enlèvement. Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ en vous. Et Jésus en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est la victoire sur tout problème. Il avait le pouvoir de faire n'importe quoi. Mais il ne pouvait pas faire du mal à l'huile et au vin. Parce que l'huile était le Saint-Esprit. Et le vin était la stimulation. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit au paragraphe 305. Il y a paragraphe 305. Ah, et 307. Mais 307. Ok, nous pouvons lire 307 maintenant. Toujours 307. Mm. Dans la Bible, quand la Biblia, l'huile et le vin vont ensemble. Et amen. Amen. Toujours. Tango nyoso. J'ai pris la concordance. Na mekiko swabo kanda oye bakokani saka maloba. Et j'ai vérifié. Pela landeli yango. Il y en a une série là. Ezali penza na bolandani ebele. Comme ça. Et landani kaka bongo. Où on voit que le vin et l'huile vont ensemble. Esika pikomo la vigne na mafuta ezolo bamela esika moko. Amen. Amen. Là où la vraie parole est prêchée. Esika le balanza basole teyami. L'huile viendra là. Mafuta koya. L'huile sera versée là. Mafuta ko sopa na wana. Comme on l'a versé sur le barbe d'Aaron. Amen. Amen. C'est la même manière que Dieu déverse son huile sur chacun de nous ici. Quiconque veut la recevoir. Amen. Après être repenti de tous les péchés, Dieu est prêt à verser l'huile sur vous. Qui est l'onction du Saint-Esprit. Au temps de la fin, Dieu veut les gens stimulés. Les gens stimulé par la révélation au moyen du message. Les mouvements et les dénominationnels ne peuvent pas éteindre le réveil de ces jours. Impossible. Car Dieu est dans le message. Stimulant l'église. Alléluia. Car on ne peut pas prêcher ce message sans les stimulations. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Il faut l'onction du Saint-Esprit pour vous stimuler. Et cela vous aura l'accès de bien prêcher le message et amener le Saint-Esprit à l'église. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous pouvons voir Pierre se tenir devant une multitude de gens avec une prédication de 15 minutes et l'onction est descendue parmi ce peuple là. Pourquoi Pierre a reçu la chose? Il avait l'huile, il avait le vin. C'est pourquoi
il pouvait le démontrer. Même pour la maladie. Vous venez avec votre maladie. Le fait de passer à côté de vous comme ça. Vous êtes complètement guéri. Oh, gloire à Jésus. Oh, que bon à Jésus Christ. Amen, amen. Les choses faites qu'à cet état, à cette époque-là. La foi des pères. Maintenant est parmi les enfants. Amen. Amen. La même onction qui était là. C'est la même onction qui est ici. Amen. Les choses qu'ils ont vécues là. Nous aussi nous sommes en train de vivre cela. Oui. Un jour. Un frère paralysé. Est venu me visiter à la maison. Il est venu pour que je prie pour lui. Moi je me suis tenu à la porte de la maison. Lui, quand il est arrivé à l'entrée du portail, l'onction lui a saisi là. Et sa main qui était penchée comme ça est redevenue normale. Oh, gloire à Jésus. La foi des pères maintenant aux enfants. Jésus ne change rien. Il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, il peut aussi guérir aujourd'hui. Il a béni hier. Il est en train de bénir aujourd'hui. Pourquoi? Il ne change pas. Il est le même hier. Aujourd'hui éternellement. La foi des pères. Pour les enfants. L'œuvre qui a été accomplie par à travers Malachi 4. Amen. Amen. Il devait ramener la foi des pères à leurs enfants. Et révéler les messages de sept sceaux. Amen. Amen, amen, amen. Et les sept tonnerres sont révélés dans les sept sceaux. Et les tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que personne ne vienne vous troubler. Amen. Les tonnerres sont révélés dans les sept sceaux. Amen. Les secrets que nous connaissons là. C'est ça le tonnerre. Les choses qui étaient cachées là-bas. C'était réservé pour nous. Amen. Mais il a dit. Ne faites pas du mal à l'huile et au vin. C'est pourquoi ce matin que nous sommes ici. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Personne ne vous touchera. Pourquoi? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il n'y a aucune autre puissance qui dépasse la puissance de Jésus. C'est lui notre seul conquérant. Le puissant conquérant. La victoire des chrétiens. La solution de tout problème. Là vous arrivez au bout de votre force. Et sachant quoi faire. Quand vous êtes abattu. Vous avez essayé de chercher le secours. Le secours ne vous vient pas. Mais il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Qui a vaincu la mort. Qui a vaincu la tombe. Cet homme-là. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui votre victoire. C'est lui votre solution. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit. Personne ne vous touchera. Non. Personne. Personne. Parce que vous êtes devenu un dangereux. Vous devenez un mystique. Amen. Vous devenez un mystique. Oui. Quiconque vous touche, touche Dieu. Amen. Amen. Quiconque vous bouge, bouge Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, marchez avec tête haute. Vous savez que je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore arrivé là, je dois être. Hallelujah.
Mais Jésus vit quelque part. Gloire à Jésus. Jésus vit quelque part. Dieu est en train de te pousser. Comme il pousse Un pion. Amen. Amen. Vous Amen. Êtes arrivé quelque part. Amen. Amen. Vous êtes arrivé quelque part. C'est pourquoi quand ils ont combattu, ils ont combattu. Babundi. Ils n'ont pas pu atteindre l'objectif. Babundi, il y avait un homme du nom de Jean-Is. Il dira au Dieu, j'ai combattu, mais je n'ai pas pu. Envoie-moi un plus fort. Alléluia. Amen, amen. C'est là où sortira Martin Luther. Martin Luther, Martin Luther est venu prêcher la foi, la justification par la foi. Côté à Colombie, c'est là où il est sorti. Martin Luther, Martin Luther lui-même était aussi un prêtre catholique. Martin Luther, c'est là qu'il peut s'engager l'Église catholique. Mais quand il a vu le système qu'ils utilisaient là, n'était pas conforme. Et le gobala quitté. Il a protesté contre eux pour former l'Église protestante. Amen. Amen. Et c'est là qu'on a exécuté 68 millions de chrétiens. Mais quand l'église, Oui. Yo. On les pendait au bois. On les exécutait par le pâturage. On les tuait par des paix. Ils ont massacré. Amen. Amen. Et aujourd'hui que je vous parle, voilà, il y a même les sangs des chrétiens qui crient là. Et là ma Christ, son oh Seigneur, jusqu'à quand? Ah, jusqu'à quand tu vas venger nos sangs? Mes frères, vous attendez un peu que nous quittons oh, là-bas. Attendez. D'abord, c'est l'épouse. C'est l'épouse d'abord. C'est l'épouse qui doit quitter en premier lieu. Et ensuite viendront ces gens-là. Amen. Amen, amen, amen. Ah, ah, c'est très beau. Et ça qui toco. C'est d'abord l'épouse. Et ça, non, moi, la libala. Nous, nous sommes l'épouse de Christ. Bisous, toza, moi, la libala, la Christ. Amen. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Toza, moi, la libala, la Christ. Oui, il dit au paragraphe 197. La paragraphe 197. Dieu a promis que dans les derniers jours, Zamba, la kakete, na mikolo ya suka, il manifesterait et il lui... Oh, il lui confirmerait sa parole. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Et qu'aucun église catholique a boyko yambaka ka message. Tout cela, Dieu le lui a promis. Nous sommes par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachi. Il a promis même par Jean. Mais il ne voulait pas accepter ces gens-là. Dans les derniers jours, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Puisse recevoir la même foi qui était en leur père. Pourquoi? Jésus-Christ lui-même est notre parent rédempteur. Jésus-Christ, alléluia. C'est lui notre parent rédempteur. C'est lui qui est venu nous chercher. Quand nous étions perdus, quand nous étions bouleversés dans ce monde, lui en tant que parent rédempteur, il a quitté son trône. Il est descendu sur la terre ici. Il a pris vos fardeaux. Il a pris mes fardeaux. Il les a placés sur la croix. C'est pourquoi vous le voyez. C'est pourquoi vous l'avez vu plus tôt. Montez le mont Golgotha avec sa croix qui pèse. Pourquoi? Pour que vous et moi, nous soyons pardonnés de nos péchés. Et
pour que vous et moi nous puissions recevoir la vie éternelle. Sans la croix de Golgotha, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Il était obligé de monter là. C'est pourquoi sa souffrance, c'est notre souffrance qu'il a pris. Oh, sa mort, c'est pour que nous soyons pardonnés de toute iniquité. Oui, même quand le gouverneur lui posait la question, est-il le roi des Juifs? Jésus pouvait dire que tu l'as dit, mais mon royaume n'est pas de cette terre ici. Mon royaume est céleste. Alléluia. Alléluia. Parce que si mon royaume était de cette terre, je pouvais appeler une légion d'ange combattre pour moi. Mais comme je suis céleste, ce sont les gens célestes qui doivent comprendre. Ah, ils doivent comprendre la révélation. Amen. Il est venu payer le prix pour notre rédemption. Pour que nous qui étions perdus, nous puissions recevoir la vie. La vie éternelle. Pourquoi? C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. D'ailleurs, lui et le Père sont un. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Lui et le Père sont un. C'est pourquoi Philippe pouvait entrer dans la confusion. Maître, montre-nous le Père. Cela suffit. Cela nous suffit. Il regarde Philippe comme ça. Il dit Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas que celui qui me voit voit le Père. Parce que moi et le Père nous sommes un. Amen. Amen. Pourquoi cherchez-vous encore un autre Père? Les œuvres qu'il accomplissait là, c'est le Père en lui. Amen. Amen. Dieu a promis de façon très précise. Par Jean le Révélateur. Par tous ses prophètes. C'est que ce dernier message serait pour elle. Maintenant, si vous voulez le noter, naturellement, vous le connaissez tous. Jésus. Jean 14, 12. Mais qu'est-ce qui est dit dans Jean 14, 12? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que les œuvres que je fais. Alléluia. Les œuvres que je fais. Vous les ferez aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que moi je m'en vais au Père. Oui. Alléluia. Est-ce que vous ne comprenez pas les œuvres du Père ici? Les malades ne sont pas guéris ici. Oui. Les morts même sont ressuscités. Par vos prières. Alléluia. Amen. C'est ça les œuvres de Jean 14, 12. Amen. Oui. Yo. Les œuvres de Jean 14, 12. Misala. Un jour même, j'ai tué un petit lézard. Sa queue même était coupée. Le lézard est mort. Après, vraiment, j'ai senti le sacré dans mon cœur. Mais pourquoi tuer cette histoire ici? Ah! Je me suis avancé là pour se trouver cette histoire. J'ai dit, oh Seigneur, accorde la vie à cet insecte. Il revient à la vie. Ah, c'est quoi? Quelques minutes après, j'ai dit, vis les raisins. Bougez-vous, commencez à mourir. Quelle puissance! La même puissance qui était en Pierre, qui était en Paul, est revenue au temps du soir. Alléluia! C'est le dernier temps du soir. Il a dit, attendez, dans les derniers jours, il y aura un petit groupe minoritaire à qui
je vais déverser ma puissance. Et leur témoignage ira dans le monde entier. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, même les cancers sont guéris. L'autre fois là, vous avez vu ce papa là venir ici, non? Avec là, on l'a opéré. Un cancer au cerveau. Oui. Yo. Mais il est sorti victorieux ici. Si malibonde le téléphone a bimamo longi. Amen. Amen. Vous avez écouté le témoignage de cette sœur là. Il avait un cancer du utérus. Avec les vers comme ça qui sortaient dans son corps. Mais après la prière, si malibonde le Dieu lui a guéri complètement. Là où les médecins ont déclaré qu'il n'y a plus de vie. Et si lui a soukoufa, vous le ramenez à la maison. Attendre sa mort de moment l'autre. Là où la pensée de l'homme se limite. Qui est au-dessus de toute pensée. Amen. Amen. La sœur est en parfaite santé. Amen. Amen. Je vous dis les choses vraies. Une sœur mourra à Kingabwa. Elle était morte. Akufi. Et sa fille m'a appelé. Mais papa, papa, depuis que maman nous a dit de rester en paix, Uta mama no bela kibi soto vana na kimia. Elle est tombée par terre. Akwe ina se. Et nous avons prié. Tobondeli. Les gens sont en train de pleurer là. Batusi bazo lela. Qu'est-ce que nous devions faire? Papa togo sala nini? Je lui ai dit, la IBC, ramène ton téléphone là où elle est. Sois téléphone, tiens la litoye bembe. Mets ton téléphone sur son oreille. Tiens téléphone la litoye bembe. Je vais invoquer l'homme de Galilée. Nakobela mobala Galilée. Alléluia. Amen. C'est lui notre victoire. Yende longa la biso. J'ai prié pour cette sœur là. Tobondeli pola de kobo suana. À la fin de la prière, la maman là a sursauté pas. Elle a sursauté. Elle a crié. Oh, mais pourquoi vous m'appelez ici? Ici c'est très sale. Là où je suis parti, c'est très propre. Vous m'appelez de retourner ici. Pourquoi? Elle est vivante là. Elle est venue même me remercier à la maison. Amen. Amen. Notre Dieu est victorieux. J'ai pris pour une sœur. Oh, un fibrom plus de 15 kilos. Sorti tombé par terre. Aujourd'hui que je vous parle, si vous voulez l'expérience, je les ai acheté une parcelle sur mon avenir là. On a construit déjà les maisons. Oui. Vous voyez, bon, vous voyez que le Dieu de Pierre est notre Dieu. Bon, Zamba Petelo a commis Zamba la biso. La foi de Pierre est notre foi. Kondimala Petelo est commis à biso. La foi d'Abraham est notre foi. Kondimala Balam est commis à biso. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui accomplit ces choses là? Et l'Okondine est aussi la macambouyo. C'est la vie de la parole qui accomplit ces choses là. Et Zalib. C'est cette vie-là qui manque dans des désorganisations. Même dans des églises dénominationnelles. Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. Pole moko ekomonana. La lumière paraîtra. Pole ekomonana. Il faut que cette lumière là soit parmi nous. Pole wana ezala katikati na biso. Quelle est cette lumière là? Pole gozanini. L'évangile que je prêche. Sango na zote ya lelo. L'onction du Saint-Esprit qui descend là. La guérison du malade. Kobiki sababa beni. C'est ça la lumière qui devait paraître. Yangone pole o esengela kemonana. Pour que ça enlève la confusion dans les têtes des Jean. Et aujourd'hui, Lelo, si les gens veulent voir où se trouve le réveil, où se trouve Dieu, il peut le sentir au milieu de nous. Amen. Il peut le sentir au milieu de nous. Oui, qu'est-ce qui fait la différence? L'onction du Saint-Esprit parmi nous. La même colonne de feu qui est descendue pour délivrer Daniel dans la fosse. La même colonne de feu qui a délivré Jacob devant l'ange. La même colonne de feu qui a conduit Moïse vers la terre promise est au milieu de nous. Et c'est elle qui accomplit tous ces signes et ces prodiges. Amen. Et dans les derniers jours, quand la promesse de la parole lui est apportée,
Liloba eteyami na ecclesia. Il a refusé. Bago baboyi. Même comme Israël. Ndeke boko na Israël. Quand Jésus est venu se présenter vers Israël. Tango Yesu ayaki na Israël. Il a dit voilà. Alobi. C'est moi qui est venu vous apporter la vérité. Gaide na kiko tela bino bosolo. Pour que vous quittez cet esclavage du monde. Pobo bima na bohumbo mokili. Ils ont dit mais toi tu es un sieur de bois avec ton père. Yo yo sam menuzien na tata na yo. Toi tu es quoi le fils de Marie. Yo sali mwana makangu mwana Maria. Tu ne peux pas être notre prophète. Yo koza la bosako la bisote. Tu ne peux pas être notre roi. Yo koza la bokozi la bisote. Qui a scié les bois avec ton père. O malako kata mabaya na tata na yo. Qui est un Belzeboul. O sakutu mokonza milimo mabe. Et pourtant c'est lui l'homme. Joka yene mobali yango. C'est lui l'homme qui devait apporter la vie. Yene mobali o sengela kame mela bango ko mo. Tous ces gens là. Na batoni oso. Ils ont rejeté la chose. Maboya kilikambo. Oui, ils ont foulé aux pieds. Ba mona ki pamba. L'air sali. Ba mona ki lobiko la bango pamba. Amen. Amen. Et quand ils l'ont rejeté. Tango maboya ki. C'est à partir de là que Jésus a tourné sa figure vers les nations, les gentils qui sont nous. Alléluia. Amen. Il a dit vous aussi vous ne voulez pas venir. Nous nous avons dit iyo nous venons. C'est pourquoi nous sommes là. Parce que nous l'avons accepté. Qu'il soit notre roi. Qu'il soit notre guide. Qu'il soit notre conducteur. Alléluia. Amen. Et nous sommes devenus des chrétiens. Mais Kasi, le prophète dit qu'il viendra un temps où la grâce va nous quitter. Jésus va quitter sur sa chaise ou sur son trône de grâce pour tourner maintenant son regard vers Israël. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour récupérer les 144 000 membres. Le moment que nous vivons ici où nous sommes dans le temps de la grâce, vous pouvez commettre un péché, Dieu peut vous pardonner. Mais quand la grâce va nous quitter, il y aura plus de sacrifices. Si vous étiez un voleur, vous restez d'office voleur. Si vous étiez un critiqueur, vous restez un automatique critiqueur. Si vous étiez une prostituée, vous restez d'office prostituée. Il n'y aura plus de changements. S'il y a un temps où nous devrions changer, c'est bien maintenant. Amen. Amen. Où la grâce coule encore. Les derniers signes que Dieu nous a donnés. Nous devons vaincir. C'est Israël. Les figuiers. Aujourd'hui, Israël est en guerre. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Vous qui attendez, non, moi je vais me repentir en dernière minute. Le temps c'est maintenant. Amen. Amen. De vous repentir de tous vos péchés. D'arranger vos vies. Afin de recevoir l'huile qui est l'onction du Saint-Esprit. Israël est en guerre. Le premier ministre a déclaré là Israël a officiellement que moi je commence déjà la guerre. Amen. Amen. Ils sont en train de détruire là les Israël a zobébi sa Hamas. Oui. Des immeubles sont en train de se fondre. Amen. Et de l'autre côté Hamas là ce sont des Libanais. Hein? Oui. Il se surchauffe aussi pour attaquer Israël. Amen. Amen. Or, il y a les critiques qui nous est présentée. Il faut que nous nous quittons d'abord la terre. Avant la guerre d'Armageddon. Troisième guerre mondiale. Oui. Io. C'est une guerre qui sera confondue. Tous les Arabes seront réunis ensemble pour combattre Israël. La Russie. Les Syrie que vous voyez là. L'Égypte, les Libanais, les Pakistanais, tout le reste là, ils feront l'union pour combattre Israël. Amen. Amen. Mais quand la chose va commencer, nous en tant qu'épouse, nous ne sommes plus ici sur la terre. Nous sommes là en train de fêter les 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Nous devions quitter la terre.
C'est pourquoi, frères et sœurs, préparez-vous. L'heure est avancée. Dieu a promis que dans les derniers jours, il lui manifesterait quoi et confirmerait sa parole. La parole est confirmée ici par le Seigneur. Il guérit les malades. Il délivre les captifs. Il ressuscite les morts. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Il y a un petit témoignage que j'ai écrit sur la table. Non, il y a une sœur. Une sœur ou un frère. Il y a un papier là sous cette salle. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Une sœur me verra. Mon ventre est rempli de myomes. Alors je vais être expulsé du mariage. Oui. La belle famille est en train de se moquer de moi. Abengi pasteur jeudi. Ah ouais, jeudi on a téléphone. Famille. Oui. Mais je lui ai dit qu'on va prier le Seigneur. Et cette femme-là m'a dit, c'est toi. Parce que nous sommes dans les balles, il y a pas été ça. Moi je dis, est-ce que moi je tiens votre vie? Est-ce que la réunion m'a pas besoin de bengana yo nangala sali? J'ai prié et Dieu lui a donné un enfant. Na bondeli nzamba pesse mwana. Elle a conçu et l'enfant était couvert de ce myome là. Abzuzemi mwana azingami na ba myome na li. Et au fil que l'enfant grandissait, le myome commençait à disperser. Koleka mwana zokola la matrice ba myome ezoli mwa. Jusqu'à ce que cet enfant là. Kino mwana botami. Et elle va me dire, viens prendre ton enfant de myome. Alobi papa nzuzi yako so mwana no ba myome. Amen. Amen. Notre Dieu est victorieux. Il a confirmé sa parole.